Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi en tout cas ça va. N'hésitez pas à vous abonner sur cette vidéo pour rater aucune de nos vidéos. Et à mettre un pouce bleu ou un commentaire si vous voulez que je continue à faire cette vidéo là. Enfin, je parle doucement parce que Mélissa elle est juste dans la chambre. Je vais l'embêter. Et en fait c'est un prank. Elle va pas savoir que je l'embête en fait. Donc c'est parti, on commence. Nous allons corriger le problème numéro 12. Maïsa, tu peux mettre moins fort, s'il te plaît? Comment tu m'as appelé? Encore. Il n'y a plus de son, en fait. Tu peux mettre là où il y a plus de son, s'il te plaît? Quoi? Parce que... Tu es une incorrigible petite chippie. Voilà. Tu peux éteindre ton téléphone, non? Ça me stresse, non? Mais baisse le son! Tu baisses le son? Ah, tu peux partir de la chambre, s'il te plaît? Sérieuse, là? J'ai envie d'être toute seule, c'est bon? Non, je m'en fous. Non, mais elle est là, pars. Putain, tu saoules. Je t'ai. Appelez-moi un être qui n'a... Tu veux faire une vidéo? Non. Faire quoi? Rien. Tu peux baisser le son? Maïsa! Quoi? Et tu peux partir de la chambre? Non! Tu saoules! Donc voilà, déjà on commence bien. Donc elle ne sait pas du coup. Je l'ai pas dit. Mais du coup, je suis avec le téléphone dans la main. Donc c'est un peu compliqué. Oh, où ça, je vais m'allonger? Je peux décaler? Décale-toi. Anissa, commence pas à me chauffer là, je vais m'énerver. Mais... Décale-toi, c'est tout. Y'a pas de mèche, je suis en train de tomber. Allez là, c'est bon, voilà, on m'a saoulé. Mais je m'en fous en fait, tu vas te décaler en fait. Non, je ne me décale pas. Décale. Ah, tu saoules. Ouais. Allez, décale-toi là. Mmh. Allez là. Non. Décale-toi. Tu saoules. Ouais. Là, du coup, en fait, j'ai pas trop quoi lui dire en fait. Non. T'as qu'à partir si t'es pas content là. M'en fous. Ok, bah je prends toute la place du lit. J'essaie que tu filmes. Non, je filme pas. Attends, mais des chiens, là. Dégage de mon lit. Si, c'est mon lit. Oui, mais je sais pas si j'arriverai à faire changer ta mère d'avis un jour. Tu es d'accord que ce serait génial d'avoir une moto, non? Bien sûr. Il faut que j'aille à l'école. Hé, Balèze. Oh, tu viens où, là? Quoi? Tu veux bien voir, s'il te plaît? Non. J'ai envie d'écouter la télé. Je suis sûre que c'était toi. Je me souviens donc à mes... Non, je m'en fous, non. Non. T'as qu'à partir si t'es pas contente. Nathan. Allez, la part. Oui, je te jure, Balèze a emprunté au moins 10 de mes BD. Et maintenant, il... Ok, bah je mets encore plus fort. Rien. Et il n'y a pas qu'avec nous qu'il est comme ça. Apparemment, il fait exprès d'oublier de rendre des trucs à plein d'autres élèves de l'école. C'est pas sympa, ça. Qu'est-ce qu'il lui prend? Voyons, il s'agit en réalité du syndrome MRNR, ni rendu ni restitué. Une maladie par laquelle l'emprunteur se rend lui-même propriétaire de l'objet emprunté. Ça a l'air grave comme mal.
Maïssa, en fait, c'était un prank. Sérieuse? Oui, c'est... je suis sérieuse. Même dans la nuit, je l'ai saoulée. Bon. Bah, au revoir. Bon, Halloween pour ce soir, c'est ce soir. Et du coup, moi et ma cousine, du coup, on fait tout le temps les dédicaces. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Au revoir.